Code 10-10, besoin de renfort. Pourquoi est-ce que tu m'as contacté ? Pour voir si je pouvais utiliser tes services. Je ne peux pas participer à des activités criminelles. À quoi rime cette mascarade ? Maintenant je t'embarque, sorcier. Toi, tu n'es pas d'ici, je me trompe. Plus un geste, et mettez les mains en l'air. Je détecte que ce n'est pas une visite de courtoisie. Tu es en état d'arrestation, Shang Tsung. C'est courageux de ta part de m'affronter. Je ne fais que mon devoir, Shang Tsung. Prépare-toi pour un petit avant-coup. Je n'ai pas pour habitude d'appréhender les dictateurs. Tu devrais faire des courbettes. Ne compte pas dessus. Es-tu un gardien de la paix ? J'ai juré de protéger et de servir les citoyens. Tout ce potentiel gâché. Livre-moi le collector. Il faudra me tuer pour ça. Protocole létal engagé. Mes actions ne te regardent pas. Même toi, tu dois obéir à la loi. C'est moi la loi, imbécile. Tu aurais vraiment pu t'éviter tous ces ennuis. Je n'ai aucun regret. Tôt ou tard, ça viendra. Cette armure ne te sauvera pas. Je suis conçu pour résister au froid le plus extrême. Je suis plus froide que le froid le plus extrême. Frost, tu as enfreint la loi de trop nombreuses fois. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et est-ce que tu es prête à en subir les conséquences ? Je n'obéis qu'à ma propre loi. Si tout le monde faisait comme toi, ce serait l'anarchie. Exactement. Le grand esprit m'a demandé de t'aider. Comment pourrais-tu m'aider, Nightwolf ? En t'entraînant aux techniques du combat. Toi aussi, tu as été un criminel. J'ai payé pour mes crimes, il y a longtemps. Est-ce que tu t'es repenti ? Je ne suis pas surpris que Kenno t'ait échappé. Parce que je suis un agent inférieur ? Non, parce que lui est un démon supérieur. Est-ce que Kenno a aussi enfreint la loi dans ton royaume ? Oui, trop souvent il a souillé le Matoka. Il va devoir répondre de ses crimes. Un nouveau jouet. Je peux essayer? T'es en état d'arrestation, Joker. Oh, chouette! On joue aux gendarmes et aux voleurs. La récréation est terminée. Il faut d'abord m'attraper, monsieur l'agent. Mort ou vif, vous venez avec moi. Pense que tout cela n'est qu'un jeu. Tu étais là pour jouer. Mais je veux le jackpot. Rends-toi sagement, Joker. Sinon quoi, Bobo Cop? Sinon, tu vas avoir des ennuis. Est-ce que t'as pensé à faire des films? Es-tu sérieux? Mais carrément! Tu sais chanter? Comment est-ce que je peux t'aider, Cage? J'ai plein de questions! Figure-toi que je fais un flic robot dans mon prochain film! Qu'est-ce que tu veux savoir? Moitié homme, moitié machine, 100% flic! C'est exact. Pitié! Dis-moi que t'as pas encore d'agent! Tes films policiers sont totalement irréalistes. Les fans veulent pas du vrai! Ils veulent du boom! Tu desserres la cause publique, saltimbanque. Tu
Tu nous caches forcément des choses. Certaines de mes directives sont confidentielles. Les alliés n'ont pas de secret. Kenno, viens avec moi, maintenant. Ferme la tête de pioche. Essayons de rester professionnels, lieutenant. Tu vas restituer Kenno aux forces spéciales. C'est mon prisonnier, lieutenant. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Tu prévois de me neutraliser ? Aussi vrai que 2 et 2 font 4. Merci beaucoup pour votre assistance. Bonne neuf. Y'a un problème, Murphy ? Mon système de visée est un peu perturbé. On peut réparer ça, si tu veux. C'est toi la fille de Johnny Cage ? Tu t'attendais à une nunuche pourrie gâtée ? En effet. Alors, tu sais faire de nouveaux trucs ? Vos forces spéciales m'ont confié des améliorations. Je suis curieuse de voir ça. T'es pas un peu jeune pour être lieutenant ? Je sais y faire, l'ancêtre. Viens te battre. Comme tu voudras. Il te reste des pièces d'origine ? Seulement ce qui se trouve sous le casque. Et moi qui me plaignais d'avoir perdu mes bras. Tes bras ont besoin d'une amélioration ? Tu crois que l'OCP pourrait m'aider ? Crois-moi, tu ne veux vraiment pas avoir affaire à eux. Toi aussi, tu cherches Kenno. Il est recherché sur Terre pour de nombreux crimes. Oh, il peut pas rester en place, lui. On m'a parlé d'un policier ici qui s'appelait Stryker. C'était pas qu'un policier, mais un super policier. Quel dommage que je ne puisse pas le rencontrer. Donc toi aussi, tu as été ressuscité. Pour le bien de la société, pas pour le mien. C'est une forme d'enfer, je me trompe. Comment se fait-il que tu me connaisses ? Je connais toutes les âmes damnées, Murphy. Malbolgia n'aura pas la mienne. Il y a encore un être humain sous ce tas de merde ? Les mauvaises paroles font toujours les mauvaises personnes. Parfait. Dans ce cas, tu vas souffrir avec moi, salopard. Les mains sur la tête, Spawn ! Tu n'aimes donc pas les justiciers ? Tout le monde doit obéir à la loi. Ta femme et ton fils. Ils ne sont plus rien pour moi. Nos deux cœurs sont unis dans la même souffrance. Autorise-moi à fouiller dans les jardins de feu. Tu ne trouveras pas Kenno parmi le Shirai Ryo. Je dois en être certain. As-tu vengé ton meurtre ? Mes tueurs sont morts à présent, Scorpion. Ça, c'est la vraie justice. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. Tous les cyborgs sont des abominations. Tu n'as aucune preuve de cette accusation. Ton destin est scellé par une malédiction. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Perdu est ton âme, condamné est ta vie. J'ai déjà affronté la mort auparavant. Tes créateurs ne pourront rien cette fois. Ils me répareront. Ils peuvent tout réparer. Tu as croisé ma ligne de mort. Mais tout est loin d'être terminé. Tout ce qui reste, c'est ta défaite. Quel genre de crime as-tu préparé ? Tu me juges par mon apparence ? Par ton histoire, Bian. Tu es quoi, toi ? Tu peux me dire ? Le futur des forces de l'ordre. Ah, bientôt, tu ne seras plus qu'un souvenir. Comment les lois des Tarkatan se font-elles respecter ? Avec des grincements de dents et des lames acérées. Ce n'est pas ça que j'appelle la justice. Mes lames vont lacérer ton métal. L'agression d'un agent de police est un crime. Tu ne seras plus là pour punir mon crime. Un monstre comme toi devrait être mis derrière les barreaux. Ce n'est pas toi qui y arrivera. Tu viens avec moi. Mmh.
Qu'est-ce qui t'amène au royaume Terre? Je suis à la poursuite d'un fugitif nommé Kenno. Fasse que ta poursuite ne trouble pas la paix. Rejoins-nous contre Kronika. Je dois d'abord protéger les miens et les servir. Tu me déçois, Alex Murphy. J'ai besoin d'aide pour attraper Kenno. D'abord, montre-toi digne de l'Ordre de la Lumière. Si je n'ai pas le choix, pourquoi est-ce que tu veux mettre à l'épreuve mes compétences? Pour déterminer si ton âme est bonne. Dans un combat? Qu'est-ce que Kronika a bien pu te faire? Je crois qu'elle m'a ionisé, mais ça va mieux maintenant. Il faut qu'on en soit sûr, Murphy. Est-ce que tu as connu beaucoup de combats? Tous les coins chauds, j'y suis allé. On aurait besoin de toi, Delta City. Il est temps pour toi de rentrer. Je rentrerai dès que j'aurai embarqué Kenno. C'est à nous qu'il doit répondre, pas à toi. J'ai déjà entendu parler de la mission Fiji. Oh là là, qu'est-ce qu'on t'a raconté? C'est vraiment une très belle histoire, Jackie. Est-ce que tes créateurs ont supprimé ton âme? Malgré tous leurs efforts, ils n'y sont pas parvenus. Tu peux encore prétendre à rejoindre le Lin Kuei. Tu es un expert du froid. Tu veux une démonstration? Oui. Tu es là pour le tournoi? Mais quel tournoi? Mais d'où est-ce que tu sors, Alex Murphy? Les Lin Kuei sont-ils des voleurs? Plus depuis que je règne sur eux. Ils doivent quand même répondre de leurs crimes passés. T'es censé être un super flic? Je suis l'agent Alex Murphy. T'es surtout mort, mon pote. À chaque instant, il y a un crime en cours quelque part. Il va y en avoir un juste ici. Alors l'utilisation de la force est justifiée. J'ai de quoi payer si tu fermes les yeux. On ne peut pas m'acheter, Kenno. Réfléchis quand même, d'accord? Tu as le droit de garder le silence. Et toi, t'as le droit de foutre le camp. Je t'ai lu tes droits, alors maintenant bats-toi. Moi aussi, j'avais pensé à rejoindre la police. Qu'est-ce qui t'a empêché de porter l'uniforme? Parce que ça fait que dalle d'être en bleu. Tu es recherché pour vol, agression et meurtre. Et bientôt pour avoir tué un flic aussi. Pas aujourd'hui. Ils sont tous comme toi, les flics, sur Terre? Je suis unique, Cabal. Alors ta mort va être quelque chose d'unique aussi. À genoux, minable. Pose toujours, espèce de boîte de conserve. Je vais faire l'usage approprié de la force pour que tu obtempères. Ta mort a-t-elle été honorable? Je ne faisais que mon devoir. Alors c'était un sacrifice de grande valeur. Sonya Blade ne me fait toujours pas confiance. Les cyborgs héroïques sont rares par ici. Oui, on a du pain sur la planche. Nous devons continuer à nous entraîner. La suffisance, voilà l'ennemi. Nous allons bien nous entendre, Murphy. Peux-tu m'aider à capturer Kenno? Oui, et l'expédier dans ton royaume. Alors ça, ça fait plaisir. Tes créateurs ont été injustes envers toi. Je n'ai aucun droit. Je suis la propriété de l'OCP. Toutes les âmes devraient être libres. Aux yeux de la justice, tous les citoyens doivent être égaux en droit. Oui, mais en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça ne devrait pas l'être. Tu poursuis Kenno, mais tu t'arrêteras à notre frontière. Je dois aller là où la piste me conduit. L'outre-monde ne reconnaît pas ton autorité.
Est-ce que tu as besoin de mon aide pour appréhender Collector? Il paraît que tu as quelques talents particuliers. Je vais te faire une démonstration. Pourquoi ils t'ont créé aussi grand? Ma taille est à l'image de mon autorité. Peut-être, mais tu ne peux rien contre un adversaire agile. Et sans le chapeau, tu peux gagner? Et toi, sans ton arme? On va voir. Tu as de la force dans la main? Je pourrais pulvériser tous les os de la tienne. Restons courtois dans ce combat, monsieur l'agent. Tu es un bleu, c'est ça? Tu mets en doute ma grande expérience? Les vétérans n'ont généralement pas un ego aussi développé. Tu es venu pour embarquer Kenno? C'est un fugitif qui fuit la justice. Pour le bien de tous les royaumes, j'espère que tu le trouveras. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de Kenno? Que tu joues un jeu dangereux. Et c'est un jeu que je vais gagner, Jeanne. Rien ne t'oblige à être loyal à tes créateurs. C'est comme ça que j'ai été programmé. Ils ont fait de toi un esclave. Il y a des dragons noirs et des dragons rouges. Les deux clans sont des repères de voleurs et de criminels. Alors les deux doivent être neutralisés. C'est toi mon nouveau coéquipier? Oui, ce sont les ordres. Montre-moi ce que tu sais faire. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Je viens du programme Robocop, phase 2. Je refuse d'être cloné. Tu as choisi de devenir un cyborg? Et maintenant, je suis l'agent de police parfait. Mais le prix que tu as payé est trop élevé. Sous ce masque, qui es-tu? Je ne crois pas que tu vas aimer la réponse. Je dois savoir. Je ne peux pas sentir ton sang. Parce que je ne suis presque plus composé de chair et de sang. Alors j'aurai encore faim après t'avoir tué. Tu as tué beaucoup trop de monde. J'ai besoin de sang pour nourrir ma magie. Ton activité criminelle est terminée. Tu t'imagines des choses à mon sujet, Robocop? Un flic peut viscéralement sentir le criminel. Je ne suis pas une criminelle, j'ai juste faim. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Elle était vraiment très belle. Tout aussi sanguinaire, tout aussi folle. Pourquoi tu viens me chercher des noises? Tu as enfreint la loi, Black. C'est pas ton périmètre, le flic. Le temps est venu de te mettre à l'ombre. Oh, tu ne m'aimes pas beaucoup. En effet, je pense que tu es une ordure. Ce serait mieux que tu tournes les talons. J'ai déjà arrêté des crétins, exactement comme toi. Si tu les as arrêtés, c'est qu'ils n'étaient pas comme moi. C'est moi que tu cherches? Il paraît que t'es une fine gâchette. Dégaine. La ruche ne pourra pas te manger. Donc tu ne veux pas te battre, Devora? Celle-ci va te tuer pour le plaisir. J'ai été informé de tous tes crimes. Les actions de celle-ci ne visent que la survie des Kaïtines. Cela ne les rend pas légitimes, Devora. Tu n'es pas un guerrier. Non, je ne suis qu'un simple officier de police. Je vais te muter. Attends un peu. Je n'aurais jamais pu imaginer un tel combat. Il n'y a pas d'insectoïdes dans ton monde? Non. Tu as été conçu pour faire respecter la loi. Oui, c'est l'une de mes premières directives. Et donc, quelles sont les autres?
C'est vrai que les Hochtek exécutent les voleurs de bas étage? La clémence conduit à des transgressions plus importantes. Le châtiment doit être à la hauteur du crime. Les Hochtek n'ont pas besoin de police. Comment faites-vous respecter la loi? La loi est écrite sur nos cœurs. On ne peut vraiment pas éviter cet affrontement. Pas si l'on respecte la loi des Hochtek. Décidément, ton peuple se fait une idée particulière de la justice. Les Shokan exigent la justice. La justice des Shokan est décidément très spéciale. Tu oses me parler ainsi? Là d'où je viens, nous n'avons pas du tout de Shokan. Quelles sont les espèces qui peuplent ton outre-monde? Nous n'avons pas d'outre-monde non plus. Agent Murphy, es-tu prêt? Je ne sais vraiment pas pourquoi nous nous battons. Parce que je souhaite tester ta force. Circulez! Le cyber Lin Kuei a attaqué mon peuple. Je ne fais pas partie du cyber Lin Kuei. Tu es une machine. Je me considère comme un humain. Alors tu devrais être exterminé. N'avons-nous pas déjà fait ça? Je n'ai aucun souvenir d'une précédente rencontre. Moi, j'en suis sûr. Nous nous sommes déjà croisés. C'est quoi ton modèle? Je suis un flic, Terminator. Je ne suis pas sujet aux lois humaines. Les machines peuvent être bénéfiques ou une menace. Lequel je suis? Si tu étais bénéfique, tu ne serais pas mon problème. Tu as beaucoup souffert, Alex Murphy. Comment connais-tu mon histoire? C'est simple, j'ai étudié toutes les réalités. C'est bien moi que tu cherches? Chronica exige tes services. Je sers le peuple, pas ta créatrice. Nous avons tous deux reçu l'illusion de la liberté. Et alors, Geras? Que nous sommes tous deux sous l'emprise de nos créateurs. Ce n'est pas Lewis qui est responsable de mon sort. Mais sa décision a scellé ton destin. Non, les voyous qui m'ont abattu l'ont scellé. Tu es là pour m'arrêter. Réquisitionner la propriété d'autrui est un crime. Pas quand Shao Kahn l'exige. Tu es un fugitif. Pour la justice de Kotal Kahn, pas pour la tienne. Peu importe, tu dois quand même être appréhendé. Tes membres ne vont pas fournir beaucoup d'or. Ça veut dire que tu acceptes de me suivre? Que je vais te fondre pour récupérer le métal. Est-ce que tu as des informations sur Kenno? Oui, et tu pourras les avoir. Si tu y mets le prix... La loi exige ta totale coopération. Pourquoi patrouiller quand tu pourrais me servir? Parce que c'est loin d'être un privilège pour moi. Mon cher agent, tu n'as pas le choix. Suivez-moi, vous devez passer en jugement. Je n'ai que faire de vos lois. Vous avez 20 secondes pour obtempérer. Tu vas être vendu au plus offrant. Ça n'arrivera pas, Sindel. C'est la réalité, mon cher. Tu n'es qu'un objet. Je connais ton dossier par cœur. Dans ce cas, prosterne-toi devant moi. Je suis venu pour t'arrêter, Sindel. Tu as fait le sacrifice ultime. Mais cela n'a eu aucun effet, Cétrion. D'autres ont trouvé la vertu en te voyant faire. Tu viens me proposer une solution? Chronica peut te libérer de l'emprise de tes créateurs.
dans le but que je me soumette à la sienne, c'est ça? Rassure-toi, ton futur n'est pas si mauvais. Je ne te crois pas une seconde. Aussi, crois-moi. Avec Kronika, tout est possible. La réponse est non, Cétrion. Écoute, à quoi bon résister de la sorte? Je ne peux pas fonctionner hors du périmètre de mes premières directives. Quel bon vent t'amène ici? J'ai suivi Kenno jusqu'ici depuis la Terre. Et c'est lui qui t'a enlaidi comme ça? Est-ce que tu combats pour ce monde? C'est ma mission depuis des millénaires. Tu dois avoir beaucoup de choses à m'apprendre. Tu n'es pas préparé au danger de ce royaume. Dans ce cas, tu dois m'aider, Fujin. Ton entraînement commence maintenant. Par ici, je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Commence par te fier à moi, Alex Murphy. Comment connais-tu mon nom? T'es en état d'arrestation, ordure. Toi, je vais te coffrer. Robot, quelque chose à dire? Le crime ne paie pas.